Bonjour, c'est Virginie du Pérou en direct du De Jazet avec Ramon Pinault et Roger Nimot pour l'émission Radar numéro 137, L'amiante tue, qui sera diffusée exceptionnellement demain, dimanche 4 décembre. Alors, c'est Virginie qui vient de lancer l'émission, donc moi je suis à la place de Marc parce que malheureusement Marc, pour des raisons à la fois professionnelles et familiales, ne peut pas être avec nous. Et donc là, on sort de la librairie du Monde Libertaire où Virginie a fait une intervention donc par rapport à son livre « Amiante et mensonges, notre perpétuité », sous-titré « Journal de Paul et Virginie ». Et donc je voulais vous lire un petit peu ce qu'il y avait sur cette affiche qui est très intéressant pour le débat d'aujourd'hui. Donc, l'amiante cause en moyenne plus de 100 victimes par jour à travers le monde et plus de 10 rien qu'en France tous les jours. Alors déjà, on va partir là-dessus parce que Virginie, elle, son père est mort d'un mésothéliome, mais ce n'est pas une maladie professionnelle, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est à Aulnay-sous-Bois, quand il était écolier, il a respiré des poussières d'amiante. Et par contre, Ramon Pinault, qui est avec nous, il nous en parlera tout à l'heure, lui, son père est mort aussi d'un mésothéliome, mais c'est une maladie professionnelle. Mais pas reconnue comme maladie professionnelle. Hein. Et malheureusement, pas reconnue comme maladie professionnelle. Donc Virginie, si tu veux un petit peu lancer le débat par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à l'amiante dans ta famille. Voilà. J'ai perdu ma grand-mère Simone du Pérou d'un mésothéliome, c'est-à-dire un cancer de la plèvre en 1978. Quand j'avais 5 ans, elle est décédée en 10 mois. Merci, monsieur. Et elle n'avait pas travaillé l'amiante. Et toute sa vie, mon père, son plus jeune fils, s'est demandé où elle avait pu être contaminée. On n'a jamais compris jusqu'à ce que ce soit le tour de mon père en juin 2014. Il déclare une pleurésie et on va lui annoncer à lui aussi un cancer de la plèvre, donc cancer spécifique d'une exposition à l'amiante. Et on ne comprend pas plus puisque Paul, mon père, refait son parcours professionnel et me dit « ça ne peut pas être une maladie professionnelle, voilà, j'ai refait mon parcours, l'amiante, j'ai été en contact avec ça, ça peut se compter sur les doigts d'une main, jamais en milieu fermé et jamais sous sa forme friable ». Et puis, 2 mois après le diagnostic de mon père, à la une du Parisien, on tombe sur cette information, empoisonnée sans le savoir, et on va découvrir ce qui s'est passé à Aulnay-sous-Bois entre 1938 et officiellement 1995. C'est-à-dire qu'une entreprise, le comptoir des minéraux et matières premières, le CMMP, a broyé de l'amiante en plein centre-ville au milieu de 3 écoles. Ma famille était riveraine, comme la plupart des victimes retrouvées, plus de 300 à ce jour et recensées uniquement par les associations, notamment Ban Asbestos France. Ban Asbestos veut dire interdire l'amiante. C'est une association qui fait partie d'un réseau mondial de lutte contre l'amiante. On va découvrir les choses comme ça et on comprend par la presse et notamment par la mobilisation de Ban Asbestos qui va obtenir une médiatisation nationale, on comprend l'origine de la contamination familiale. Donc c'est dans ton livre, c'est un carnet un peu au jour le jour, tu vas raconter la descente aux enfers de ton père Paul. C'est pour ça que c'est sous-titré « Journal de Paul et Virginie », parce que ce sont à la fois des notes qu'a pris ton père, oui. Voyant sa santé partir vers la fin. Et toi, de ton côté, après coup, tabassé par la mort de ton père, découvrant l'origine de la mort de ta grand-mère, ne sachant pas encore ce qui allait arriver par rapport à Stanley, qui était un des chiens de la famille, oui. tu vas te relever en fin de compte de ce coup en écrivant. Et en fin de compte, ce livre, c'est un peu une auto-thérapie, c'est-à-dire tu lâches tout ce qui t'est tombé dessus, et notamment ces rapports extrêmement malsain avec une médecine et un ordre des médecins, une médecine française qui traite le patient
on va dire même pas par-dessus la jambe, c'est-à-dire que, comme une espèce de variable dont il n'y a pas vraiment à s'occuper. Et donc ton père va passer à côté, à l'époque, de, entre guillemets, la seule thérapie qui aurait pu peut-être lui permettre de survivre au mésothélium. Alors, est-ce que tu veux nous parler justement de ça, de pourquoi une thérapie qui a été mise au point, qui pourrait permettre à tous les gens atteints de mésothélium d'avoir un espoir de survie, pourquoi cette thérapie, alors qu'elle était, je crois, en phase 4, n'a jamais reçu son autorisation? Voilà, ça, je trouve ça assez scandaleux. Alors, ça, c'est quelque chose que je découvre quand je suis sur le point de publier le livre. Je découvre qu'à la fin des années 1990, il y a eu un protocole de soins du cancer de l'amiante, du mésothélium, qui avait été initié à Marseille et à Créteil. C'était un traitement à base, c'était de l'immunothérapie avec de l'interféron, mais moi je ne suis pas scientifique, hein, je ne suis que témoin de ce que l'amiante peut faire. Et le toxicologue Henri Pezra en parle dans un texte qui date de 2008, c'est-à-dire un an avant son décès en février 2009. Et il demande à l'époque un petit peu des comptes, pourquoi ce protocole n'a pas été mis sur le marché. Effectivement, il était apparemment en phase 4, et pour les patients atteints de mésothélium au stade 1, il était efficace. Il y a des gens qui, à l'époque, en ont bénéficié et qui ont été sauvés. Ils ne sont plus considérés comme étant en rémission. Il y a des victimes de l'usine Eternit de Casal Monferrato en Italie qui ont passé la frontière et qui se sont fait soigner à Marseille et qui ont survécu. Mais en phase 4, et alors qu'il fonctionnait quand le mésothélium était détecté à un stade précoce, il n'a jamais été mis sur le marché. Donc j'en ai discuté à l'époque avec Annie Thébaumoni, qui est sociologue et chercheur en santé publique. Elle était la compagne d'Henri Pezra. Elle est présidente de l'association Henri Pezra, dont je suis membre, et porte-parole de Ban Asbestos France. Et elle m'a dit à l'époque, avec Henri, on a eu la réponse suivante: officiellement, il n'y avait pas assez de victimes. Je lui ai dit, 10 morts par jour en France, une centaine en moyenne dans le monde, c'est énorme. Qu'est-ce que tu en penses vraiment? Et après discussion, on a pensé qu'il valait mieux, certainement, d'après tout, pour tous ces gens-là, que les victimes de l'amiante ne témoignent pas. Ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et j'ai voulu vraiment publier le témoignage de Paul. Puisque le protocole actuel de soins, le plus courant, bien qu'il y ait des essais thérapeutiques quand même depuis 2015, depuis le décès de mon père, c'est un protocole de chimiothérapie, cisplastine Alimta, qui n'est absolument pas efficace, qui est complètement inopérant. C'est le cancer des ouvriers. Et les ministres de la Santé successifs n'ont pas donné les crédits pour la recherche. On est au point mort. Alors, tout le monde meurt. Je vais te laisser respirer un peu, oui, et boire ton café. D'accord. Et donc, je vais en profiter justement. Merci. Parce qu'on est là par rapport au cancer professionnel. Donc, ton père, lui, son mésothéliome ne va pas être reconnu en tant que cancer professionnel. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as vécu ça et comment ton père a vécu ça? Eh bien, mon père tombe malade. Il a 63 ans à ce moment-là. Il est donc en arrêt maladie. Au début, on ne sait pas pourquoi, jusqu'à ce que notre médecin généraliste, au vu des analyses qu'il lui avait fait faire, nous déclare tout de go: ah bah oui, c'est l'amiante, c'est une saloperie. Et ça a été le seul commentaire. Nous, à l'époque, la famille, l'amiante, on n'avait jamais entendu parler, on ne savait pas. Il nous aurait dit, c'est la tuberculose, ça nous aurait fait le même effet, quoi. C'était pas de chance. Mais il n'a pas dit, c'est une maladie professionnelle. C'est après coup, la maladie a évolué assez vite. Mon père a subi une première opération. Il a été bien à peu près 8-9 mois. Il a rechuté, et là c'est allé très vite, puisque l'hôpital l'a réopéré et a constaté qu'il n'y avait plus rien à faire, que ça allait aller assez vite.
et nous a donné le choix entre le garder en soins palliatifs ou le laisser retourner au domicile familial et finir sa vie comme ça. Solution qu'on a choisie. Il était uniquement les derniers temps sous morphine, c'est-à-dire quand il était sous morphine, bon, il était plus lucide, il râlait doucement, et quand il n'était pas sous morphine, les périodes où il n'était pas sous morphine, alors là, il dégustait bien, et c'était insoutenable, ce qui fait que quand il est décédé, on ne va pas dire que c'était un soulagement, mais vraiment, c'était plus possible pour lui. Et du fait qu'il était en arrêt maladie 63 ans, il devait avoir à l'époque, la retraite était à 65 ans, il est mort à 64, il n'a jamais connu la retraite, évidemment. C'est une façon de résoudre aussi les problèmes de retraite et de financement des retraites, quelque part. Alors, c'est très intéressant ce que tu nous dis. Donc ça, c'est en quelle année que ça s'est produit ? En 1980. En 1980, d'accord. Donc, à l'époque, l'amiante, nous, on ne connaissait pas. C'est à partir de là où j'ai commencé, au hasard de lecture, dans l'après, des petits articles sur l'amiante, sur les décès, les cancers provoqués par l'amiante, ou quelques rares documentaires à l'époque à la télévision, où j'ai commencé à m'intéresser à ce problème et à voir que ce n'était pas un cas particulier, ce n'était pas la malchance, c'était vraiment quelque chose qui était connu, des entreprises, mais qui sciemment retardait le moment d'interdire l'usage de l'amiante. Et toi, Virginie, c'est aussi par la presse que strictement par hasard, tu vas découvrir que l'histoire t'a épargné, parce que toi, tu n'as pas vécu à Aulnay, mais que par contre, ton père et ta grand-mère ont été exposés. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette découverte, quand tu l'as faite, et puis qu'est-ce qui s'est passé après cette découverte ? Ben, le monde nous est tombé dessus, enfin voilà, une fois de plus, l'enclume qui nous tombe sur la tête, parce que on apprend donc que mon père a un mésothéliome officiellement en septembre 2014, et le 26 novembre 2014, à la une du Parisien aujourd'hui en France, on tombe sur empoisonné sans le savoir, et la une parle d'une histoire d'écoliers contaminés à Aulnay-sous-Bois. Et Aulnay, c'est le berceau de la famille, précisément le vieux pays d'Aulnay. Et mon père a vécu là de sa naissance jusqu'à ses 18 ans et demi, 19 ans, avant de partir pour la Nièvre, où moi je suis née, je suis sa fille unique. Et on comprend du coup que ma grand-mère a été empoisonnée à cet endroit-là. On comprend donc, on comprend tout d'un seul coup, grâce à cet épisode de médiatisation nationale. Et donc, elle est morte en quelle année, ta grand-mère ? Ma grand-mère est décédée le 25 juin 1978, exactement. Elle est tombée malade à l'été 1977. Ça a commencé, comme mon père, par une pleurésie. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas de talcage possible. Alors, le talcage, c'est une intervention qui consiste à coller avec du talc les deux parois de la plèvre pour que les pleurésies, le liquide émis, ne se reforme pas. Et ma grand-mère, à l'époque, n'a pas pu en bénéficier, ce qui fait qu'elle était ponctionnée tous les jours. Ça a duré 10 mois. Donc, il s'est passé plusieurs décennies entre le décès de ta grand-mère et le décès de ton père, et le fait que tu t'aperçoives que tout ça n'était pas de la faute à pas de chance. Ben, dans les années 90, mon père voit Henri Pézra à la télé, le toxicologue dont j'ai parlé tout à l'heure, et il me dit « Ce qu'a eu ta grand-mère a été causé par l'amiante, mais ta grand-mère n'a pas travaillé l'amiante. Où est-ce qu'elle a pu être en contact avec ça? Où est-ce qu'elle a pu respirer ça ?» Et puis, effectivement, il y a eu un temps de latence très différent pour ma grand-mère. Ma famille quitte Aulnay début 1961. Pour ma grand-mère, il y a eu 16 ans de temps de latence. Pour mon père, il y a eu plus de 53 ans. Voilà, donc les mésothéliomes, c'est du jour au lendemain ou plusieurs décennies plus tard.
Ben, ça peut être quelques années. Les pneumologues disent un temps de latence en moyenne de 20 à 40 ans, ce qui est une hérésie, parce qu'il y a des cas, notamment le cas d'un petit garçon qui apparaît dans une vidéo. C'est une émission belge des années 80. Il aidait son père simplement à nettoyer sa moto et les freins contenaient de l'amiante. Et ce petit garçon de 10 ans, au bout d'un an seulement, a développé un mésothéliome. Alors que sur Aulnay, on a des dames riveraines de l'usine. Alors je précise que de nombreux riverains ne connaissaient pas la nature de l'activité du comptoir des minéraux et matières premières. Et là, il y a quelques années, il y a des dames qui avaient été riveraines toute leur vie, qui l'ont développé à plus de 90 ans. Il y a un temps de latence très très variable avec ce cancer spécifique dû à l'amiante qui touche principalement, enfin les cas les plus généraux, les plus courants, c'est la plèvre, mais le mésothéliome c'est aussi le cancer qui attaque le péricarde, donc l'enveloppe qui entoure le cœur, ou le péritoine, l'enveloppe des intestins. Et donc c'est un cancer spécifique, mais alors comme c'est un cancer spécifique, Ramon, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu une autopsie et qu'on n'ait pas a posteriori classé le cancer de ton père comme un cancer professionnel? Alors, je t'avouerai que à l'époque, comme on connaissait en absolument 1980, nous, l'amiante, on n'avait jamais entendu parler de ça et on n'a pas supposé que c'était c'était dû à son travail, à l'environnement dans l'usine où il travaillait. Alors, ça s'appelait comment cette usine? C'était, alors, où c'était à la Plaine Saint-Denis. C'était une usine qui s'appelait à l'époque Tréfilerie et Laminoir du Havre, parce que le siège était au Havre, mais ils avaient une douzaine d'autres sites dans toute la France. Et l'usine de Saint-Denis, d'ailleurs, a été complètement démantelée en 1983, 3 ans après la mort de mon père. Elle a été complètement démantelée. Ça a été ensuite, ça s'est appelé, ils ont changé de nom, ça s'est appelé Tréfi Métaux, puis ça a été repris, racheté par Péchinet. C'est Péchinet, finalement, qui a racheté ça. Et au cours, justement, comme à la suite du décès de mon père, j'ai commencé à m'intéresser à ce problème de l'amiante, ben, c'est là que j'ai vu que sur un autre site de la même entreprise, dans le Calvados, à Dives-sur-Mer, il y avait eu des problèmes, plusieurs décès dus à l'amiante, des cancers, et que les victimes s'étaient constituées en collectif des victimes de l'amiante et avait intenté un procès à l'entreprise. Les formalités ont duré 18 ans à peu près. Finalement, le jugement rendu a condamné l'entreprise à indemniser la caisse maladie, la caisse d'assurance maladie, et le collectif des victimes de l'amiante à 2500 euros chacun. C'est-à-dire rien. Des montants ridicules. Et est-ce qu'il y a eu une évaluation du nombre de personnes touchées directement par ces activités industrielles? Alors, dans l'usine de Dives-sur-Mer, c'était une quarantaine de personnes, je crois, à l'époque. Mais sur les autres sites, j'avoue que je ne sais pas. Et même dans l'usine où travaillait mon père, je ne sais pas non plus. Et comme elle a été démantelée 3 ans après, il n'y a plus de traces. Maintenant, ils ont construit des bureaux à la place. Ça a été fini. C'était l'époque où on liquidait toutes les usines, parce qu'il y en avait tout un paquet, toutes les usines de la Plaine Saint-Denis, quand on a commencé. Là, pour le Stade de France. Voilà. Donc dans cette zone-là, il y a de la pollution amiante, c'est-à-dire que ça n'a pas été fait en confinement. S'il y avait que de la pollution à l'amiante,
ça serait déjà un peu restreint, mais il y avait des pollutions à tout un tas de choses, et notamment, par exemple, tu parles de la construction du Stade de France, si on se souvient bien, c'était les entrepôts des gazoducs, et quand ils ont commencé à fouiller le sol, ils ont tiqué un peu, il y avait encore des traces, mais bon, il y avait la Coupe du Monde qui arrivait, il fallait quand même le construire, ce stade. Il fallait balayer sous le tapis. Voilà. Alors, est-ce que, justement, cette politique, moi j'ai appris par Virginie qu'en France, il y avait une seule usine qui était capable, en fin de compte, de dégrader la norme pour la rendre inoffensive. Et donc c'est quand même assez étonnant quand on voit qu'il y a plus de 100 victimes jour dans le monde à cause de l'amiante, reconnues, je dirais, plus de 10 par jour seulement en France. Donc la France totaliserait 10% alors qu'on représente moins de 1% de la population mondiale, ce qui veut dire qu'il y a un facteur 10 en France par rapport au reste du monde sur le problème de l'amiante. Et en France, il n'y a qu'une seule usine, qu'un seul industriel qui a des fours capables de chauffer à plus de 1700 degrés les fibres d'amiante pour les transformer en déchets non nocifs, inertes. Et par rapport à ça, et par rapport au fait qu'on a eu ces trois dernières années beaucoup de campagnes où l'État prétend s'être occupé de notre santé, quelle est un peu ta réflexion par rapport à tout ça? C'est-à-dire que est-ce qu'on ne prend pas pour des truffes? Moi je sais, il y a eu Lubrizol. Je me souviens d'une vidéo d'une dame, elle ramassait dans son jardin comme du coton. Et elle a appelé la préfecture et c'était de l'amiante, hein, mais on l'a envoyé paître. Et en fin de compte, souvent on dit l'amiante se dégrade en quelques décennies et elle devient dangereuse, mais quand il y a un incendie, c'est en quelques heures, parfois en quelques minutes, qu'elle se trouve libérée. Parce que souvent elle est prise dans du ciment et quand on chauffe du ciment, il se transforme en poussière. Et par rapport à ça, les préfets, non seulement ne font rien, mais suite à une catastrophe, ils ne déclenchent pas un plan hors sec pour aller décontaminer les jardins et les habitations qui se sont trouvés pollués par des fibres d'amiante. Qu'est-ce que tu penses de ce double langage de l'État? Mais moi, je ne suis pas étonnée du langage des autorités. Quand on reprend le scandale d'Aulnay, c'est hallucinant. En 1995, l'alerte est lancée par Nicole et Gérard Voide. Nicole est en train de perdre et va perdre en juin 1995 son frère, Pierre Léonard, qui, comme elle, a été riverain du comptoir des minéraux et matières premières. Il va mourir à 49 ans d'un mésothéliome. Tout ça parce qu'il a habité à côté du CMMP et Nicole et Gérard Voide, pendant des années, vont faire face aux autorités et vont avoir toutes les peines du monde à faire connaître ce scandale sanitaire. Et quand ils obtiennent en 2001 de l'Agence régionale de santé parisienne, la promesse de contacter les anciens écoliers, les riverains et les ouvriers de cette usine, la promesse ne sera tenue que partiellement courant 2015 sur une partie seulement des écoliers. Les riverains, enfin des anciens écoliers, les riverains et les travailleurs sont oubliés dans l'affaire et mon père a fait partie des rares, peut-être du quart des écoliers contactés. Il va recevoir en mai 2015 un courrier de l'ARS. Vous avez pu être exposé à des poussières d'amiante. Contactez votre médecin généraliste et en gros, il va vous prescrire l'examen de référence qui est le scanner thoracique. Mais c'est un courrier qui n'est pas alarmiste du tout et la plupart des anciens écoliers ne l'auront pas reçu. Donc l'ARS a travaillé à minima, sans concertation de plus avec les associations qui sont sur cette affaire depuis 1995. Et l'État s'en fiche complètement. Je précise aussi qu'à l'époque, le directeur de l'ARS de Paris-Île-de-France, c'était M. Claude Évin.
Donc, la loi Évin sur les cigarettes. Voilà, donc ministre sous François Mitterrand qui a tout fait pour retarder l'interdiction de l'amiante dès 1991 au niveau européen. Donc c'est purement scandaleux, mais moi je suis absolument pas étonnée, après en septembre 2019 quand arrive Lubrizol, d'entendre le préfet là-bas sur place dire qu'il n'y a aucun danger, ce qui est une hérésie. Hein. Et qu'est-ce que tu penses de Vladimir Poutine? Il a relancé le commerce de l'amiante entre la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique avec la complicité de Donald. Voilà, que heureusement les Américains ont réussi à renvoyer dans les cordes. Mais seulement moi je me souviens avoir vu des balles d'amiante avec carrément la photographie de Trump envoyée et qui venait de Russie, et on se félicitait du retour du commerce de l'amiante. Alors comment expliquer que au niveau, il y a quand même une organisation mondiale de la santé, il me semble, l'OMS, au niveau de l'ONU, on sait que, allez, on va dire grosso modo, il y a 100 morts jour à cause de l'amiante. Dans de nombreux pays maintenant, de plus en plus nombreux pays, c'est-à-dire moins d'une centaine, mais quand même, l'amiante est interdite. 67 pays, exactement. 67 pays, mais sur plus de 400, donc c'est quand même riquiqui. Comment est-ce que tu peux expliquer qu'au niveau des instances internationales, alors que la dangerosité de l'amiante est connue depuis des décennies, il n'y ait pas une alerte de santé de la part de l'OMS, comme on a eu par rapport à des coronavirus, disant attention, là, il faudrait que tous les pays déjà interdisent la commercialisation, l'extraction, la commercialisation, la transformation, et après mettent en place des politiques pour retirer cette amiante. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben moi, je pense que l'industrie de l'amiante est toujours très puissante. D'ailleurs, ils n'emploient plus le mot amiante, mais le mot chrysotile à la place. Le chrysotile, c'est l'amiante blanc. C'est une des 6 variétés, mais une des 3 plus courantes et la plus utilisée dans l'industrie, c'est l'amiante blanc. Donc maintenant, l'industrie du chrysotile est toujours à la manœuvre et puis continue à promouvoir ce produit. Ah qui... oui, on fait comme disait Jean Jaurès. Quand on ne peut pas changer les choses, on change le nom. C'est ça. Donc l'amiante blanche devient chrysotile. C'est ça. Et donc maintenant, on peut voir on peut acheter du chrysotile. Ben oui. En toute sécurité. C'est ça, voilà. Tout à fait. C'est ce que ces gens-là disent. Et on voit encore des spots à la télé, alors, notamment en Asie du Sud-Est, etc. Ces industriels, ils sont protégés par les préfets parce que la majorité de l'amiante, qu'elle soit bleue ou blanche, a été vendue aux armées. Et là, on a le problème de l'ex-Foch, de l'ex-porte-avions Foch, qui a été revendu par la France au Brésil, qui est devenu le Sao Paulo. Maintenant, le Brésil l'a désarmé, et ce bateau a fait tout un périple jusqu'en Europe. Il a même été jusqu'à Istanbul, jusqu'en Turquie. La Turquie a dit, vos ordures, vous les récupérez. Et là, il est retourné dans les eaux brésiliennes. Normalement, la France s'était engagée, quand elle a vendu l'ex-Foch, à sa responsabilité par rapport à son démantèlement. Oui. Où est-ce que ça en est, cette histoire? Qu'est-ce que fait le gouvernement français? Ah ben, le gouvernement français, il ne fait strictement rien, et le réseau Banasbestos notamment n'a pas arrêté de l'interpeller tout l'été pour qu'il se préoccupe du problème, puisque la France est responsable de l'ex-Foch devenu Sao Paulo. Donc effectivement, il y a eu un périple en Turquie où là des organisations ont fait en sorte que ce porte-avions toxique ne soit pas désamianté dans des conditions désastreuses. Et ça représente combien de centaines de tonnes? Oh là là, alors tout est plusieurs sur le... Plusieurs centaines de tonnes. Oui, il y a plusieurs centaines de tonnes. Alors, il est comparable en tonnage d'amiante, on va dire, au Clémenceau à l'époque. D'accord. Donc il y en a plusieurs centaines, hein, mais les chiffres exacts, de toute façon, on les trouve sur le site de Banasbestos France. Et pour l'instant, là, il est de retour dans les eaux brésiliennes et le gouvernement français, de toute façon, ne réagit pas, ne se préoccupe pas du problème. D'accord. Donc... Est-ce qu'il y a le risque qu'ils finissent démantelés par des enfants indiens sur une plage échouée?
Ben, c'était le risque, tu veux, pardon, Ramon, c'est, vas-y. Bon, ben, c'est ce qui se passe actuellement pour un autre vaisseau au Bangladesh, où là, ce sont effectivement des enfants ou des jeunes adultes qui démantèlent ces bateaux sans protection. Il y a eu un documentaire il y a quelques temps sur Arte où on interrogeait des hommes malades qui avaient, je crois, 35 ans, mais qui en paraissaient le double, qui respirent de plus en plus mal, et parce qu'ils travaillent dedans et qui savent que c'est ce travail qui les tue, mais il n'y a pas de travail, c'est ça ou rien, donc ils continuent. Et nous, on se décharge dans des pays en voie de développement, comme on dit, pour faire le sale boulot. Il y a un site internet qui s'appelle Shipbreaking Platform. C'est la plateforme de démantèlement des navires qui explique tout ça en détail et qui recense le nombre d'accidents du travail et le nombre de morts. Alors donc sur la vidéo, moi je mettrai justement des petits liens. Oui. Donc tu as parlé de Banabestos, je mettrai le lien vers Banabestos. Oui. Le site que tu viens de citer, je mettrai un lien. Oui. Et là, parce que c'est vrai que c'est un sujet extrêmement lourd, voire un peu morbide, on va passer sur un petit bout de test avec notre ami Pierre Merachkowski, qui nous a fait la gentillesse de venir. Voilà, c'est à toi Pierre. Donc, bonjour, donc je te donnerai aussi cette brochure là, je te la donne, voilà, comme convenu, hein, qui s'appelle donc Inclusion, Parité et Société. Et donc je pense que tous mes films et tout ce que j'écrirai porteront ce titre, Inclusion, Parité et Société. Voilà, comme ça au moins la ligne est claire et on peut comprendre que je suis quelqu'un de dans un certain consensus, puisque je défends l'inclusion, la parité et la société. Voilà, comme ça le problème sera réglé. Bon. Donc le texte c'est la suite, ça s'appelle donc « Pour en finir avec l'héritage de mai 67 ». Vos questions surprenantes ne me surprennent pas. Hors sujet, hors sujet, hors sujet, avait rageusement écrit sous mon blog autogéré un des producteurs de vos documentaires d'autopromotion, en précisant que mes commentaires concernant mon intervention que j'ai fait qualifier de parfaitement crétine dans le documentaire de Pierre Carle d'autopromotion du philosophe Paris 8 Bourdieu, s'inscrivait manifestement dans encore une manifestation manifestement. Décidément, l'héritage de mai 67 n'a pas fini de rentrer vos remerciements successifs. Manifestement, c'est l'évidence même, et manifeste, inutile de tourner autour de l'estrade d'où s'exprimaient les plus grands orateurs de la révolution bolchevique internationale. Mon refus de toute forme de comité central, reposant exclusivement sur la non-résolution d'un complexe d'Oedipe qui renforce sous couvert d'une idéologie mon refus de tout engagement que je qualifierais de sexuel, a renforcé les petites bourgeoises dorées qui, sous un autre couvert de cette révolution permanente de ce ringard de Dr Guevara, ont participé à l'anéantissement du service public de l'audiovisuel ORTF France Culture, programmé par Laure Adler, qui nota dans un ouvrage de référence unanime que Marguerite Duras était une ivrogne. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, sommes des petits bourgeois ivrognes, comme dit Laure Adler. La mise à ma disposition de mon logement par ma mère, l'épouse de mon père, explique que il et elle disent « Ah, tu payes pas le loyer !» Et à l'exception notable de l'autiste femme qui a approuvé l'ensemble de mes positions politiques devant des sardistes illuminés par les flammes dansantes d'un feu grésillant dans la cour d'un squat placé sous l'autorité secrète d'un représentant de la mairie, il ou elle ajoute « Si tu devais payer un loyer, tu ne dirais pas. Si tu devais payer un loyer, tes discours. Et elle n'est pas du tout comme moi. Elle ne paye pas de loyer à Zagreb, Liev. Son père a été chassé du Parti communiste par le faux Tito Ceausescu, manipulé par son épouse. Ma mère n'a jamais manipulé mon père. Elle, contrairement à ma mère, qui n'a jamais été manipulée par mon père, elle est amorale. » Parce qu'elle dépense tout son fric avec des dealers, et en agissant ainsi, elle est parfaitement anormale. Parce qu'elle œuvre pour la défense d'une structure fondée sur l'exploitation des dealers par des chefs d'État, et en ce sens, je dis bien en ce sens, et je ne tiens pas à préciser de quel sens il s'agit,
Elle est anormale. Et moi aussi, je suis normal parce que je paye pas le loyer, je paye le téléphone mobile fixe et mes discours. En admettant que je prononce des discours, il semblerait que sur ce point précis, j'étais et je suis encore calomnié. Je ne tiens aucun discours, je n'ai jamais tenu aucune sorte de discours. Et c'est inutile de claironner en ma présence, et je le sais également en mon absence, je n'ai jamais dit que je détestais les professeurs de Paris 8. Et donc, il est, excusez-moi du terme particulièrement abusif, de prétendre que le sens, d'ailleurs quel sens, que je me suis donné à ma vie repose sur l'évidente observation que je ne suis pas contraint de payer un loyer parce que ma mère m'a donné ou prêté, en tout cas je ne l'ai pas rendu, ce salon, cuisine, chambre à coucher. Et mon père, il n'a pas dit que je devais être exproprié par la classe copropriétaire. Enfin, de, ou alors, pour être plus simple, vous savez, les apparences sont parfois trompeuses. Je squatte un salon chambre à coucher et qu'il est évident que ce hors-sens indiscutable, même si je ne squatte pas, puisque la voisine de palier m'a demandé de l'appeler dans le téléphone, et cela, indiscutablement, est, a été et fera un sens un jour. Tu ramènes toujours toutes nos problématiques autour de ta petite personne avaient en effet ajouté une ancienne rédactrice de France Culture qui depuis longtemps considérait qu'il fallait en finir avec l'héritage de mai 67, 68, 69, 70, 99. « Tu nous fais chier !» avait-elle ajouté. « Tais-toi !» avait-elle ajouté. Voilà, merci. Moi, je te remercie, Pierre. Bah, c'était franchement très bien. Oui. J'ai pas mes lunettes, est-ce que tu peux me relire le titre? Alors, il y a écrit Pierre Merejkovski, oui. Inclusion, parité et société. Inclusion, parité et société. Amazon édition, prix libre. Voilà. Alors, il manque une page, je vous explique, que dans le cadre d'une action décentralisée en banlieue, il sera rendu compte à l'Assemblée Générale du film qui sera constitué, qui s'appelle « Ouais, tous ensemble », de l'utilisation précise et exacte de l'argent qui aura été récolté par la revue Inclusion, Parité et Société à prix libre. C'est-à-dire, je donnerai un compte-rendu précis, au centime près, de l'utilisation des fonds qu'auront permis de récolter cette brochure, qui est donc un support au film qui s'appelle « Ouais, tous ensemble » et qui se passe dans un abri anti-atomique une salle de cinéma, parce qu'à Pierrefitte, il y a une bombe nucléaire qui a explosé, et c'est totalement imaginaire. Et donc, voilà. Il faut préciser que tous les petits livres de Pierre Merejkovski sont garantis sans amiante. Sans amiante. Sans aucune fibre d'amiante. Ouais. Et alors là, je voulais voir, parce qu'on va parler à un moment du petit pont, ouais. Alias le père Hubert, parce que après toute cette histoire, c'est pour ça que des fois, moi je prends le parti d'en rire, parce que si on regarde le réel, on va se pleurer sur les baskets, c'est pour ça qu'il est bon de rigoler de toutes les choses qui nous angoissent, parce que c'est le seul moyen de les, je dirais un petit peu, de les exorciser. Voilà. En plus, je sais, et c'est pour ça qu'il y a eu Ramon, et je le présente, anarchiste, Virginie anarchiste, Roger Nimot anarchiste, comme Marc, mais qui n'est pas là. Et effectivement, le fait de ne pas se plier à une autorité est important, notamment par rapport, je dirais, à tous ces engagements publics, ou du moins institutionnels, qu'ils soient publics ou privés. On s'aperçoit, que ce soit pour l'amiante, les pesticides ou le nucléaire, qu'en fin de compte, malheureusement, les personnes qui travaillent dans ces industries représentent peut-être l'aspect de l'iceberg qui sort de l'eau. Alors que tous les enfants, et on le sait, tous les enfants qui vivent à moins de 30 km d'une installation nucléaire ont des leucémies, des taux de leucémie supérieurs au reste de la moyenne nationale. Donc n'importe quel statisticien et n'importe quel médecin dira que effectivement, ils sont à moins de 30 km d'une installation nucléaire. C'est donc assez logiquement, certainement, la centrale, une installation nucléaire qui est responsable de ce surplus de leucémie. Mais pour ce qui est d'Aulnay-sous-Bois, actuellement, l'État reconnaît combien de victimes et les
médecins, enfin les scientifiques qui ont fait des études hors ministère de la Santé, eux, ils en ont bien. Ça, je pense que ça peut être intéressant. Alors, ce que l'ARS reconnaît, on ne le sait pas, en fait. On n'a jamais été tenu au courant, nous, les associations, de ce que l'État reconnaissait via l'Agence régionale de santé Paris-Île-de-France. On ne sait pas. Pour ce qui nous concerne, on en est à plus de 300 victimes recensées, mais une étude du GISCOP 93, qui est le groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle en Seine-Saint-Denis, estime la population impactée à plus de 30 000 personnes. C'est une étude de 2012. 30 000, voire même un petit peu plus. Alors, je vais te demander une chose, c'est purement technique. Oui. C'est d'aller rejoindre ton ami Ramon. Oui. Parce que comme ça va me donner un axe. Pardon. Un plan. Oui, non, mais c'est très bien. Moi ce que j'aime, c'est même si c'est diffusé dimanche, en différé, l'idée pour moi, c'est le direct et le plan séquence. Et c'est pour ça que c'est très très bien que Pierre soit passé, parce que dans les émissions Radar, Pierre nous fait souvent le plaisir de venir nous décontracter les zygomatiques, ce qui fait qu'on évite le cancer des zygomatiques, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Voilà. Ça en fait une moins. Et puis ça me fait plaisir de vous avoir tous les deux dans l'image, parce que tous les deux, vous perdez votre papa, mais... J'en sais rien, peut-être que dans ta famille il y a d'autres personnes. Non. Mais par contre, Virginie, tout à l'heure, je ne t'ai pas laissé finir, mais tu as parlé de ta grand-mère et ton père, et après, tu n'as pas encore parlé, je crois, de Stanley. Moi, j'aimerais bien que tu en parles parce que souvent, on est très anthropomorphiste, oui, par rapport au crime. Industriel, et on oublie les animaux. Oui. Et les animaux, moi j'y ai pensé quand je suis venu t'écouter à Aulnay-sous-Bois, parce que en fin de compte, cet amiante, il y en avait partout, et donc les oiseaux en ont mis dans leur nid, et très certainement les oiseaux qui nichent dans des combles, on en a emmené dans des combles, et il y a certainement des maisons à Aulnay-sous-Bois qui, dans leurs combles, ont de l'amiante qui a été apportée par des oiseaux. Voilà. Et donc, savoir si les oiseaux. Comme c'est arrivé par rapport à Tchernobyl, tous les oiseaux non migrateurs qui vivent autour de Tchernobyl ont le cerveau plus petit. Donc ça réduit leur système nerveux central. Donc toi, raconte-moi un petit peu l'histoire de Stanley. Mais je vais vous le présenter, il est là en photo avec mon père. C'est ce petit épagneul breton là, qui a fait partie de ma vie dès février 2006. Je l'ai eu à 4 mois et demi. Et un an et demi après le décès de mon père, mon épagneul breton a développé un mésothéliome lui aussi. Donc lui, ce n'était pas à la plèvre, mais au péricarde. Je l'ai fait opérer, on m'a dit que ce n'était pas ça, et finalement, la plèvre aussi a développé des cellules cancéreuses. Donc le mésothéliome a été confirmé. Et Stanley, lui, alors je sais que peut-être certains auditeurs vont nous dire « Ah ouais, c'est un animal », ben oui, peut-être, mais pour moi, c'était un membre de la famille et je l'assume, c'était mon inséparable. Et après avoir perdu plusieurs humains à cause d'une usine en Seine-Saint-Denis qui s'est permis de s'installer en plein centre d'Aulnay-sous-Bois et de broyer de l'amiante et de contaminer tout Aulnay pendant des décennies, je fais une petite parenthèse, l'usine a été déconstruite, dépolluée en 2009-2010 grâce aux associations. Le coût a été de 16 millions d'euros et ce sont les Aulnaysiens malades qui ont payé. Le CMMP, lui, n'a payé que 3% du prix de la dépollution. Vous vivez ça et après, dans votre vie, vous essayez de faire face, de survivre à ça, à une injustice totale, c'est-à-dire une maltraitance médicale, un mensonge médical absolument affreux qui a eu lieu à Nevers dans la Nièvre et que je raconte en détail avec mon père dans ce livre. Vous faites face au mépris des institutions et au fait que l'industriel ne sera jamais condamné puisque d'après la loi française il y a prescription. Et après, c'est votre animal de compagnie qui tombe malade. Pourquoi ? Parce qu'il est né dans un
dans un élevage en Saône-et-Loire qui était juste bourré d'amiante. Alors Stanley, c'est une victime emblématique aussi, quelque part, puisqu'on ne parle pas de tous ces élevages, de tous ces bâtiments avicoles, agricoles, qui sont bourrés d'amiante. Et ça, c'est la suite, c'est l'héritage toxique. C'est-à-dire que l'amiante en place en France, c'est 73 kilos par habitant. Et là, on est en pleine deuxième vague, c'est-à-dire des gens qui tombent malades, des gens, des animaux, enfin tous les êtres vivants, tout ce qui respire peut mourir de l'amiante. Et on a notamment en ce moment un second scandale de l'amiante qui se situe dans les établissements scolaires. Et on n'en parle pas. Alors, ce sont plus de 70%, je crois, de tous les établissements scolaires, donc ça va de l'école maternelle jusqu'aux universités, qui contiennent de l'amiante, et certains d'entre eux depuis déjà plusieurs décennies, ce qui fait que cette amiante a malheureusement de fortes malchances de se libérer. Et on sait qu'une seule fibre d'amiante peut suffire à démarrer un mésothélium. Oui, c'est un cancérogène sans seuil. Et les pouvoirs publics ne se préoccupent pas du problème de l'amiante dans les établissements scolaires. Alors le type d'établissement les plus touchés, ce sont les lycées techniques et professionnels. Là, on dépasse les 70%. Libération, en février 2019, le journal Libération a fait tout un sujet là-dessus qui est consultable sur Internet. Et ils ont également élaboré un site qui permet d'entrer le nom d'un établissement scolaire pour savoir s'il est contaminé à l'amiante et de quelle manière. Est-ce que toi, par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Denis, parce que ton père travaillait à Saint-Denis, moi je suis d'Épinay-sur-Seine, donc je tu connais tout à côté. Je me souviens même de cette cuisine, je suis passé plusieurs fois devant étant jeune. Est-ce qu'il y a eu des études de fait par rapport à l'environnement, aux gens qui vivaient autour de l'usine, ou est-ce qu'il n'y a rien eu de fait? Non, à ma connaissance, il n'y a rien eu de fait, en tout cas dévoilé officiellement. Mais ce que tout le monde a pu remarquer, c'est que à la fin des années 80-90, toutes les usines, parce que Saint-Denis était truffé d'usines en tout genre bien polluantes. Pas que l'amiante, il y avait tout un tas de trucs, du plomb, du gaz, il y avait vraiment de tout. Et on a commencé à fermer toutes les usines et à les démanteler les unes après les autres. Maintenant, quand on traverse toute la zone de la plaine Saint-Denis, ce sont des bureaux, des studios télé qui sont là-bas, mais il n'y a plus une seule usine. Donc, on a évacué le problème, il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus d'usine, il n'y a plus de problème. On l'a mis sous le tapis, hein, le problème. Alors justement, par rapport à ça, sous le tapis, à Aulnay-sous-Bois, qu'est-ce qui risque de se passer dans une trentaine d'années? Parce que je crois qu'il y a un parking, il y a une dalle de béton. Sous cette dalle de béton, il reste beaucoup de l'amiante de cette usine empoisonneuse. Dans 30 ans, qui nous dit qu'il ne va pas mettre un coup de bulldozer ou de marteau piqueur sur cette dalle, et pourquoi pas un lotissement ou des pavillons? Alors, quelle garantie est-ce qu'on a par rapport à ça? Parce que cette amiante-là, elle n'a pas été retirée entièrement, elle a été enfouie. Et donc, est-ce que tu peux nous citer justement des cas où l'amiante avait été enfouie et où on a creusé et malheureusement, il y a eu des morts? Alors déjà, par rapport à Aulnay, ce qu'il faut savoir, c'est que l'usine est restée en friche industrielle de 1991 à 2009-2010, à un mètre de l'école la plus proche. Et que les enfants de cette école avaient fait de cette friche industrielle leur terrain de jeu. Donc des petits Paul
et des petits Ahmed, des petits Tony et d'autres, il y en aura encore au moins pour 3 générations. Donc, jusqu'à plus de 2100, quoi. Mais oui, puisque les gosses des écoles voisines et puis des gens ont squatté aussi cette friche industrielle et sont ou vont tomber malades. Donc, il va y avoir une seconde épidémie par rapport à la pollution résiduelle de cette usine. Maintenant, il est à espérer que les pouvoirs publics feront en sorte que la dalle de béton qui a été posée et sur laquelle maintenant, bon, maintenant c'est un parking, effectivement ne sera jamais touchée, puisque à l'époque de la dépollution, l'amiante a été retirée sur une couche de 30 cm, mais en dessous, il en reste. Donc il faut que ça reste comme ça et que cette zone ne soit pas touchée, qu'elle ne soit pas constructible et qu'il ne se passe jamais rien, qu'il n'y ait pas de construction à cet endroit. C'est absolument nécessaire. Alors, je tiens à préciser la forte ambiance, c'est parce qu'il y a un match de la Coupe du Monde qui se déroule dans l'horrible Qatar, qui a tué, je crois, des centaines d'ouvriers étrangers. Exactement. Pour réaliser les infrastructures qui reçoivent la Coupe du Monde de football. Voilà. Nous, en 2024, on aura la même punition avec les Jeux Olympiques 2024, inspiré par M. de Coubertin, qui était un admirateur d'Adolf Hitler. On est dans une société assez étrange où les pains et les jeux font passer aux oubliettes des problèmes réellement vitaux comme l'amiante, le nucléaire et les pesticides. Oui. Alors, tu avais rendu hommage à un survivant en 2015. Pardon Roger, j'ai pas répondu à ta question tout à l'heure sur l'amiante, l'amiante qui a été enfouie et qui effectivement cause déjà des victimes. Il y a l'histoire qui s'est déroulée à Tours, sur l'île aux Vaches, où des employés de la commune et des territoriaux ont effectivement eu des travaux à faire sur une île. Ils sont tombés sur de l'amiante enfoui et il y a déjà plusieurs décès. D'accord. Donc l'île aux Vaches, je dirais, c'est une île, c'est un îlot sableux au large de Tours, parce qu'il faut rappeler que la Loire, il y a quelques îlots qui restent permanents, voilà. Mais ça reste un fleuve qui n'est pas, je dirais, domestiqué comme la Seine. Moi, je me souviens d'un ami africain, quand il a vu la Seine, il m'a fait « Oh, c'est ça, cette rivière !» Voilà, parce que pour lui, un fleuve, on n'en voit pas le bord et ça charrie des rochers. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation par rapport à l'amiante où il n'y a aucun suivi de la part du ministère de la Santé, c'est-à-dire que c'est le minimum vital. Quand quelqu'un se met à hurler en préfecture, le préfet envoie paître les gens, donc on comprend pourquoi les préfets touchent 6000 euros par mois, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment les garde-fous d'un système militaro-industriel. Aujourd'hui, l'ensemble des élus ne représentent personne, vu qu'ils ont été élus sans quorum du corps électoral. Donc, on n'est pas dans une dictature, mais nous ne sommes plus dans une démocratie. Donc, aujourd'hui, ce sont des associations qui essaient, avec des moyens ridicules, d'informer, de prendre en charge les victimes. Et donc, il faut. Cette vidéo, moi, je l'ai faite pour que tous les gens qui vivent à Saint-Denis, qui ont vécu à côté de cette usine, les gens qui ont vécu à Aulnay, contactent. Ban Asbestos France. Voilà, je mettrai le lien. Qui disent à quelle période ils ont vécu à Aulnay, dans quel quartier. Et à partir de là, ça permettra à des chercheurs et à des scientifiques d'étoffer leur étude, parce que moi je suis certain que dans les années qui viennent, on va découvrir des milliers de cas de gens qui sont morts de mésothéliose. Et il faut réellement ne pas baisser les bras. Et de cancers bronchopulmonaires, puisque l'amiante cause aussi, bien évidemment, des cancers bronchopulmonaires. C'est un cancer multifactoriel, mais l'une des causes possibles, c'est l'amiante. Voilà, donc aujourd'hui, là on en est à 50 minutes, je pense qu'on va arrêter parce que ça devient assez pénible
de parler avec ce fond sonore, mais je trouve ça très bien parce que c'est le but de Radar. Oui. Radar, c'est d'être au milieu des gens. Dans l'ambiance. Exactement, dans l'ambiance. Mais moi, je vous remercie réellement tous les deux, Ramon et Virginie. Merci à vous. Là, on en a vraiment profité. Tu passes sur Paris, tu es fatigué. Les gens le verront sur ton visage. T'es vraiment, on voit bien que tu es fatigué. Tu ne comptes pas ton temps bénévolement depuis plusieurs années. Moi, je peux en attester. Tu as abattu un énorme travail. J'aimerais que tu nous donnes quand même aussi un tout petit mot sur ce deuxième livre, parce que ça, je sais que c'est aussi quelque chose qui te tient à cœur. Donc, parle-nous un tout petit peu de ce livre, même s'il est, entre guillemets, hors sujet, mais pas tout à fait. Ben disons que non, ce livre... J'ai pris plaisir à écrire le premier, que mon père témoigne, et celui-ci, c'est le récit de mes années en tant que professeur d'anglais en présentiel. Et pour terminer l'émission, puisqu'on parle de l'éducation nationale, j'aimerais la dédier à Lorraine et à François, son papa. Il était instituteur à La Seyne-sur-Mer. Il est décédé en février 2017 d'un mésothéliome empoisonné dans sa salle de classe. Et c'est une victime emblématique de cette seconde vague d'épidémie de l'amiante, due à l'amiante en place. Voilà, j'ai une pensée pour Lorraine et pour François. Et ben voilà, et ben je dédie cette émission à Paul Dupérou. Comment s'appelait ton père ? Jésus Pinault. Jésus Pinault, voilà. Paul Dupérou et Jésus Pinault, c'est pour vous cette émission. Et puis ben, je remercie à nouveau Pierre parce que franchement, ça envoie, ça envoie. Comme on dit. Bravo à tous. Et puis ben, je vous dis, premier jeudi de janvier, je ne sais pas encore quand ça tombe. Cette fois-ci, j'espère, avec Marc, avec Bruno, avec Fabrice, avec Pierre. Ce soir, on a eu Pierre avec Nina qui est passée très gentiment. Et voilà, pour moi, elle est très bien cette émission. Donc je vais couper et je vais essayer de la mettre en ligne dès demain. Voilà. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci.